Aujourd'hui, chronique conseil, je présente deux manières différentes de suspendre son sac à dos à un arbre pour éviter que celui-ci soit en contact avec le sol, mais également pour que ce soit à une hauteur qui soit facilement accessible pour vous. Allons-y, je présente ça un instant. Bonjour à tous, Jonathan de la chaîne Joe Explore, une chaîne où je partage les plus beaux moments de mes aventures, mais également je vous présente des équipements que j'utilise lors de ces aventures. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner maintenant et activer les notifications à l'aide de la petite cloche. OK, lorsque je prends une pause en randonnée ou j'arrive au camp, je me cherche généralement un arbre avec une branche cassée pour que je puisse accrocher mon sac, le suspendre. Je veux éviter que mon sac soit par terre dans la neige ou dans l'eau, la bouette. Donc, je fais le tour un peu alentour, puis je cherche cette branche-là, mais c'est pas toujours possible de trouver. Donc, c'est là que les méthodes que je vais présenter dans la vidéo aujourd'hui vont être pratiques. OK, pour mettre en pratique les méthodes, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la corde ou de la paracorde. Dans mon cas ici, j'ai de la paracorde. Et deux morceaux de bois, un d'environ cette longueur-là, puis un autre plus long. Ça, c'est assez facile à trouver habituellement quand on se promène en randonnée ou on est dans le bois. Donc, ça va prendre ça pour passer à l'action. OK, la première partie, c'est de créer une boucle au bout de paracorde. Donc, ce qu'on fait d'une manière, et plusieurs façons, mais une manière facile, c'est de doubler comme ça. On se crée une petite loupe. Moi, je fais le tour des doigts comme ça, puis dans le trou qui se crée ici, là, je viens passer mon bout. OK, et je tire, puis ça me crée la boucle. Fait que je recommence. C'est le nœud facile vraiment à faire, mais pas nécessairement le plus facile à défaire. Un nœud qui serait mieux pour ça, ce serait selon moi le nœud de chaise. Et je recommence avec le nœud que je vous parle, qui est le plus facile à faire, mais pas nécessairement à défaire. Donc ici, OK, je tourne autour de mes doigts, puis je viens le passer ici. Et ça nous fait une petite boucle. Donc, ça, c'est la première étape. OK, on est rendu à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de passer notre corde autour de l'arbre. Donc, je prends la corde ou la boucle et j'y glisse l'autre partie à l'intérieur. Et hop! Et ensuite, je sécurise le tout à l'arbre. Et comme ça. Et voici, la deuxième étape est faite. OK, je vais à nouveau. Donc, je passe la boucle autour de l'arbre et je glisse l'autre partie. Je tire, je glisse l'autre partie de la paracorde et je sécurise le tout en tirant vers le bas. Ça, c'est la deuxième étape. OK, pour la troisième partie, on va avoir besoin du morceau de bois qu'on est allé chercher au début. On va utiliser un nœud qui s'appelle le Marlin Spike Hitch. C'est un nœud qui va nous permettre d'aller mettre notre morceau de bois à l'intérieur d'un entonnoir. Donc, je vous présente comment faire ce nœud-là rapidement. Vous pouvez aussi aller voir sur YouTube si ce n'est pas nécessairement clair dans l'angle que je suis. Donc, je tiens le haut de la paracorde comme ça. Et je tourne ma main pour créer la boucle comme ça. Pour savoir si vous l'avez bien fait, il faut que la partie du bas, le brin du bas, soit à l'arrière du brin du haut. Okay? Ça, c'est une partie importante parce que au début, on se mêle un peu. Ensuite, on glisse nos doigts. Je glisse mes deux doigts comme ça à l'intérieur. Et je vais chercher le brin du haut et je l'amène. Et ça crée notre entonnoir que je vous parlais tantôt, notre petit entonnoir. Et je prends mon morceau de bois et je glisse à l'intérieur ici. Et ça va être ce qui va tenir notre sac à dos. Vous allez voir bientôt dans la prochaine étape. OK, je sais que ce n'est pas une étape facile, qui paraît facile à cause de l'angle, etc. Donc, j'aurais commencé. Je tiens le haut de la paracorde avec le bas. Je fais faire une loupe. Pour savoir qu'on a bien fait, la partie du bas passe en arrière de la partie du haut. Donc, je sais que je suis correct de cette manière-là. Ensuite, je mets mes deux doigts comme ça ici. Je prends mes deux doigts comme ça, je glisse à l'intérieur, puis je vais chercher mon brin du haut et je l'amène. Ça, ce que ça fait, ça crée mon entonnoir ou ma boucle dans laquelle je passe mon morceau de bois. Donc, je passe mon morceau de bois, je le sens assez, puis après ça, je glisse et je sers le tout. Et le morceau de bois est bien placé comme ça pour la prochaine étape.
OK, pour la dernière étape, on aura besoin de notre sac. On a ici sur les sacs, la plupart des sacs ont une sangle vraiment qui est solide ici. C'est fait pour tenir le sac. Donc, la première méthode va utiliser cette sangle-là pour suspendre le sac. Donc, pour ce faire, on doit prendre un morceau de bois et simplement le glisser à l'intérieur de cette sangle-là. Et ensuite, laisser aller le sac. Et le sac est en suspension. Donc, je vais voir ici. Comme ça, et le sac est en suspension. Donc, ça, c'est la première méthode. OK, pour enlever notre sac, ce qu'on fait, c'est qu'on lève un peu notre sac pour éviter d'avoir de la tension sur la corde ici. Et ensuite, on sort notre morceau de bois de notre sangle. Et voilà, notre sac est disponible. La deuxième méthode est semblable à la première. C'est surtout utilisé pour ceux qui veulent plutôt suspendre leur sac à dos par les bretelles du sac à dos. Donc, ce qu'il faut faire pour faire ça, il suffit d'enlever le petit morceau de bois qu'on a mis tantôt. Et on va réutiliser notre même bouc. Donc, j'ai la bouc ici. Je vais glisser un morceau de bois qui est plus long, environ un pied à l'intérieur. Je vais l'amener la bouc jusqu'au milieu pour centrer un peu le... Donc, je l'ai ici la boucle, je suis centré. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre sac à dos qui est à mes pieds. Et on glisse un morceau de bois de chaque côté en dessous des bretelles. Donc, un, deux, comme ça. Et voilà. Avec ça, on est capable de suspendre notre sac à dos. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, on peut le laisser aller dans le sac à dos et il est suspendu. Et voici ce que ça a, une fois suspendu, qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, comme je vous montrais tantôt, on a le morceau de bois ici. On a notre nœud qu'on a fait, le Marlin Spike Hitch. Donc, j'ai placé le sac en utilisant les bretelles, une bretelle de chaque côté du morceau de bois. Donc, ça tient en équilibre, c'est suspendu, c'est solide. Puis, si on peut le placer à la hauteur qu'on veut, il faut juste déplacer le nœud qu'on a fait. Si on le veut placer plus haut, bien, on va faire le nœud plus haut. Si on veut plus bas, ben on fait le nœud plus bas. On peut même aussi superposer plus d'un nœud. Si on veut un autre sac, on peut faire juste une autre boucle ici plus haut et installer notre sac par-dessus ou en dessous. Donc, c'est vraiment pratique comme méthode. Pour que ce soit encore plus pratique, je vous invite à avoir l'appareil corde sur vous et non dans votre sac. Parce que quand on arrive à un endroit, ben on veut attacher notre sac. On ne veut pas mettre notre sac à terre pour sortir notre appareil corde. Donc, traînez votre paracorde soit dans une poche de votre manteau, pantalon ou un endroit facilement accessible. OK, la première fois que vous allez essayer ces méthodes, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps. Mais avec la pratique vient la vitesse d'exécution. Donc, découragez-vous pas. J'espère que cette chronique conseil vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un j'aime. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux Joe Explore Plein Air sur Facebook et Joe Explore sur Instagram. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!